like you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour un déballage de beauté privée en fait, parce qu'il y avait des compléments alimentaires et Sébastien a voulu que je lui achète un programme donc de 3 mois pour un peu essayer de voir si ce qu'on parle, ce dont on parle un peu sur YouTube en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a deux molécules en fait qui font le buzz en ce moment, et donc je lui fais juste tester ce que j'espère que ça marche, qui marchera, pour pouvoir le tester à mon tour après. T'as compris le truc? Donc le gars c'est vraiment le testeur à sa femme, tu vois. Donc là on a du Garcinia cambogia. Donc en fait c'est visiblement un réducteur d'appétit et un contrôleur du poids. Donc voir un petit peu ce que ça donne. Donc là il y a 30 jours, mais ce que je ne sais pas c'est ce qu'il y a dedans en fait. Parce qu'il y a forcément... Donc des extraits de Garcinia cambogia à 72%, agent de charge sorbitol, anti-agglomérant, magnésium, dioxyde de silicium. Donc ouais, en gros, il n'y a que des... à 72% en fait, fait de la plante, mais il y a aussi tout ce qui sert à compacter, voilà, tout ça quoi. Donc là, en fait, pour tout ce que je vais vous montrer, on en a eu pour 75 euros, enfin, il en a eu pour 75 euros. Donc en fait, il y a 3 boîtes de Garcinia cambogia en 1300 mg. Donc c'est un programme de 30 jours, et en fait, c'était 2 boîtes achetées, la troisième offerte. Donc, ce programme-là était à 19 euros les deux boîtes et plus une offerte. Il me semble que... Oui, 19 euros les deux boîtes plus une offerte. Et donc, du coup, la deuxième chose que est la plus importante, je ne sais pas, ça a fait le buzz aux États-Unis et visiblement, c'est ce que Jennifer, la chanteuse, a utilisé pour maigrir. Après je sais pas si elle a pris des drogues ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que il y a des drogues dures qui en fait te coupent de tout et puis qui te font maigrir, hein, mais bon, on va pas aller jusque là, hein. C'est du Raspberry Ketone que j'ai beaucoup regardé sur les chaînes américaines et anglaises et tout et tout. Visiblement il faut 2 capsules par jour, et en fait c'est de la kétone de framboise. Et donc c'est de la gélatine, du calcium carbonate, du magnésium stéréate. Stéarate. Il y a de la chitone et de la mangue, du thé vert, de l'acaille, de fruits d'acaille, enfin l'acaille, le fruit quoi, de la caféine, alors il y a du vinaigre de cidre, donc comme quoi, hein, c'est vrai quand on dit le matin tu bois de l'eau chaude avec du vinaigre de cidre, et ben, en fait il y en a aussi là-dedans, et puis voilà quoi. Je sais pas quoi. Resveratrol. Je sais pas ce que c'est ça. Enfin bref, visiblement ça aide à faire maigrir. Donc bah écoutez, je verrai bien, enfin sur lui quoi. C'est un complément alimentaire, qu'est-ce qu'ils disent? Ne pas excéder la dose recommandée par jour, etc. Les femmes enceintes plus allaitantes n'ont pas le droit. Les enfants moins de 18 ans n'ont pas le droit. Ne pas utiliser sans avis médical. Alors c'est en anglais, donc I need to translate each word, but anyway. Donc on doit utiliser, faire ça sous avis médical avant de commencer le traitement, la cure de compléments alimentaires. Donc voilà, on verra bien. Et puis ça c'est fait aux États-Unis, donc bon. J'ai un peu moins peur qu'en Chine ou je sais pas où. Donc il y en avait 3, et donc vous faites 75 moins 19, vous avez le prix des 3 mois de ça là, qui coûte une blinde, mon ami. Truc de ouf. Mais bon, sur AliExpress, il y en a aussi. Hein. J'en ai commandé pour voir un petit peu la différence de composants. Oui, je suis une dingue, je sais. Et ça m'a coûté 15 euros sur AliExpress. Enfin, je verrai bien. Je vous redirai ça. Donc voilà, en gros, c'était un petit haul qui sera en supplément par rapport aux vidéos d'habitude. Mais ça vous dira à peu près, en gros, les compléments alimentaires que Sébastien utilise pour que puisse faire une vidéo après qui rappelle...
l'utilisation, les effets, etc. Si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc voilà, bah écoutez, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles. Ciao. Have you ever felt? Are you listening?